Bonjour, je m'appelle Pascal Jouot, donc du coup je suis le directeur du Latino Cabaret Show, directeur artistique et concepteur de spectacles aussi, et organisateur d'événements. On va bientôt sortir un nouveau spectacle qui s'appelle Queen 80, qui est l'association de quatre grands artistes, donc Michael Jackson, Prince, Madonna et Queen, qui rassemble deux entités, le groupe Hold Up, qui est un grand orchestre du département, et la troupe Ma Troupe Latino Cabaret Show, qui est un spectacle cabaret, dont la fusion fera qu'on sortira Queen 80 incessamment sous peu. Alors moi je m'occupe de la partie artistique, je suis mandataire de l'orchestre Hold Up, donc je gère tout ce qui est musique et chant sur le show Queen's 80. C'est un orchestre concert où on intègre des danseuses sur scène avec des effets feu, des effets LED, de beaux costumes à plumes, un spectacle inédit et un concept unique aussi pour tout public. Donc on s'est rencontrés avec Pascal, de là voilà, est née une amitié et Pascal m'a soumis l'idée de monter le spectacle Queen's 80 qu'il avait vu naître dans sa tête et évoluer et de le monter avec l'orchestre Hold Up pour présenter un show encore plus grandiose. On va réinterpréter donc les chansons des artistes Michael Jackson, Queen, Prince et Madonna via nos chanteurs avec leur propre identité à eux pour créer quelque chose d'unique. Voilà. Sur la formule cabaret, il y a 7 artistes sur scène, donc 4 danseuses, 2 performeurs et une chanteuse. Sur la formule orchestre, il y a jusqu'à 13 artistes avec donc les musiciens, 3 chanteurs et chanteuses et 4 musiciens. Donc un beau plateau artistique. Il faut savoir quand même que on n'a pas choisi la simplicité et faire du Michael, faire du Queen, c'est pas rien quoi. Donc on est en train de monter le spectacle, donc répétition chorégraphique, musicale et chant. Et puis on va rapidement coller toutes ces parties pour avoir une vue d'ensemble du grand spectacle. On a une dizaine de dates déjà réservées pour la saison dans différentes communes, essentiellement de notre département.